Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui c'est la révolution, on lance un nouveau format. Alors rassurez-vous, c'est pas un truc dingue, c'est une espèce de réponse aux commentaires qu'on va appeler à aller plus loin. Alors pourquoi on fait ça? C'est parce que ça fait longtemps qu'on reçoit des commentaires géniaux, d'ailleurs merci à vous, continuez et qu'on y répond. Mais comme on y répond déjà pas à tous, parce qu'on se fait submerger, et d'ailleurs merci de nous submerger, c'est les grandes vagues qui font plaisir, mais on y répond quand même pas mal et on a l'occasion d'échanger et de proposer des réflexions intéressantes, et donc on cherche une manière d'en faire partager tout le monde, et donc c'est pour ça qu'on lance ce format aller plus loin de réponse aux commentaires. Alors l'occasion de le lancer, c'est une vidéo qu'on a faite pour Mediapart qui était consacrée à la primaire des ministres, donc la primaire socialiste, là où il y a 4 ministres socialistes qui s'affrontent, et cette vidéo, si vous l'avez pas vue, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube de Mediapart ou sur notre page Facebook. Alors à l'occasion de cette vidéo, on essaye de montrer que plutôt que de rentrer dans le détail des programmes des 4 ministres, ça peut être intéressant de regarder sur leurs actions, leur bilan, et ce qu'ils ont fait par le passé au gouvernement. Et donc du coup, en regardant bien leur bilan, on essaye de montrer qu'il n'y a pas forcément, ou en tout cas, ça c'est notre avis à nous, uniquement subjectif, qu'il n'y a pas forcément de grande différence entre les deux lignes, ou de grande différence de courage entre les tenants de la continuité, ça c'est Valls et Peillon, des gens qui se placent directement dans la continuité de François Hollande et de son bilan, et les tenants de la rupture, que seraient Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Donc voilà, on essaye de montrer que si on juge leurs actes et pas leur programme, ben c'est pas évident de voir qu'il y a une vraie grande différence de courage et d'orientation entre ces deux lignes qui départagent les 4 ministres. Mais une critique qui venait beaucoup, en tout cas un point de question qui revenait beaucoup dans les commentaires et qui pour nous intéresse, c'est important d'y répondre, c'était mais comment ça se fait, pourquoi vous ne parlez pas des programmes? Alors comme j'ai essayé de vous l'esquisser, pour choisir un candidat, on peut regarder les programmes. Mais regarder les programmes, on va voir plein de trucs, c'est facile de faire une liste de plein de projets géniaux et de plein de réformes fantastiques pour enfin stimuler notre économie et donner le sourire aux enfants. C'est facile de promettre, mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient, comme dit l'adage bien connu. Et donc du coup, une des manières de contourner l'effet promesse quand on choisit un candidat, c'est de d'abord, avant de regarder le programme, regarder ce qu'ils ont déjà fait. Donc vous pouvez regarder toute leur carrière, ça c'est la Rolls-Royce, mais nous sur la primaire des ministres, on s'est contenté des 5 ans au pouvoir. Et donc du coup, quand on regarde leur bilan, bah tu vois qu'au moins ils se sont comportés, tu vois que dans telle situation, ils avaient le choix entre rester au gouvernement ou ne pas y rester, et ils ont choisi d'y rester, malgré le CICE, donc le crédit d'impôt, malgré le fait de ne pas renégocier les traités européens, et ainsi de suite. Et donc du coup, on regarde qu'au moment où ils auraient pu ne pas être solidaires du gouvernement, ils ont choisi de rester solidaires pour rester au gouvernement. Il y a un cas bien connu de ministre, d'ailleurs socialiste, qui, un peu dans les mêmes conditions, a dit merde, et a dit moi je garde mes conditions et j'arrête le gouvernement, c'est Chevènement. Chevènement, en 83, il était tenant de l'aile gauche du PS, dans un courant un peu marrant qui s'appelle le CERES, et Chevènement, en 83, il voit que le gouvernement du début du septennat de Mitterrand, bah, il prend un autre tour, il est fini avec les nationalisations et les mesures sociales du début de Mitterrand, il voit le tournant de la rigueur, et il leur dit merde, il démissionne. Et à cette occasion, il a fait la phrase un peu célèbre, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Et donc du coup, nous, dans notre manière de regarder le bilan des 4 ministres, on essayait de regarder comment ils se sont comportés. Ils n'ont pas démissionné, ils ont fermé leur gueule. Premier, ligne de bilan. On essaye de montrer que, pareil, Montebourg et Hamon ont porté Valls au pouvoir, et pour démissionner 3 mois après. Donc du coup, ça aussi, pareil, dans leur bilan, leur sens stratégique est pas terrible. Et donc on essaie de regarder leurs actes. Mais ce qu'on a fait pour les ministres socialistes, vous pouvez le faire pour n'importe quel candidat. C'est comme ça qu'on juge un candidat. Ça vaut, par exemple, de Macron. Si vous voulez savoir ce que vaut Macron comme candidat, avant de regarder les programmes, faut regarder ce qu'il a fait dans sa vie, ce qu'il a fait quand il était secrétaire de l'Elysée, ce qu'il a fait quand il était conseiller économique de Hollande, ce qu'il a fait quand il était à Bercy, au ministère de l'économie, et ce qu'il a fait avant dans sa carrière de grand banquier. C'est pareil, exactement pareil, si vous voulez juger Marine Le Pen ou Mélenchon. Eux, ils savent, enfin Marine Le Pen, elle a jamais été au pouvoir directement, mais vous pouvez regarder comment elle se comporte au Parlement européen, et comment est-ce que son parti se comporte quand il dirige des villes. Donc ça vous donne des premiers éléments d'indice pour savoir quelle orientation aura sa politique, avant même de regarder le programme. Et ça vaut aussi de Mélenchon. Mélenchon, il a été au pouvoir longtemps quand il était au Parti Socialiste. Donc vous pouvez regarder quels actes il a pris quand il était au Parti Socialiste. Et après, comment est-ce qu'il s'est comporté quand il était dans l'opposition. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on juge un peu n'importe quel candidat, avant de regarder le volet promesse, qui est peut-être important, mais qui est plus douteux que les actes qui, eux, parlent, c'est des faits, on peut pas transiger, ou on a agi comme ci, ou comme ça. Donc commencez par regarder les bilans, c'est ce qu'on a essayé de faire dans cette vidéo. Deuxième point qui est beaucoup revenu comme question dans nos commentaires, c'était le sujet de la motion de censure. Parce qu'on reproche, nous on était acteurs dans la loi travail, donc pendant la loi travail il y a eu le 49.3 de Manuel Valls et nous on était à fond dedans, et on a fait une vidéo où on était très exigeant envers les députés socialistes. Parce que quand un Premier ministre fait valoir le 49.3, il y a une possibilité pour l'Assemblée nationale de se défendre, de dire je veux pas que le Premier ministre nous baise, en gros, et donc on va voter une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. Et cette motion de censure, elle doit être votée par la majorité de tous les députés de l'Assemblée nationale, pas les présents, tous les inscrits. Et donc du coup, nous, on a beaucoup reproché à Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, Montebourg n'était pas directement présent dans l'hémicycle, mais ces deux, les frondeurs socialistes, se partagent les soutiens à Montebourg ou à Hamon, et il y a même la compagne de Montebourg qui était à l'Assemblée nationale et son premier soutien, Christian Paul, qui est le chef des frondeurs de l'époque. Donc du coup, on leur a beaucoup reproché de ne pas avoir voté la motion de censure de droite. Et beaucoup de gens dans les commentaires nous ont dit « Mais attendez, c'est pas vrai, ils ont essayé, ils ont tout fait pour, ils ont déposé une motion de censure de gauche. » Alors là, on a un point important à faire. Quel sens ça a, une motion de censure de gauche ? Puisque le gouvernement de Manuel Valls a censuré est censé être de gauche. C'est celui qui est issu de la majorité présidentielle de François Hollande. Donc si vous voulez censurer un gouvernement issu de François Hollande, bah nécessairement pour le mettre en minorité, faudra être avec la droite. C'est pas tout d'un coup tous les députés socialistes qui ont dit en fait Manuel on te lâche, c'est plus toi, on va voter contre toi, et de censurer qu'entre nous à gauche. Ça c'est impossible. Si on veut censurer Manuel Valls, il faut voter avec la droite. Alors là il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'était pas évident du tout. Qu'est-ce qui se serait passé si les frondeurs, là, les soutiens de Montebourg et de Hamon, avaient voté la motion de censure de droite? Ben, ce qui se serait passé, c'est ce qui est prévu par la Constitution, c'est qu'alors le gouvernement de Manuel Valls tombe et il n'y a pas de 49.3 et donc de passage en force sur la loi travail. Donc ce qui se serait passé, c'est que la loi travail n'aurait pas été adoptée au forceps, il y aurait eu encore un contrôle de l'Assemblée nationale et le président, donc François Hollande, aurait dû nommer un nouveau gouvernement, donc construire une nouvelle majorité. Mais cette nouvelle majorité, les journalistes à l'époque, ils ont fait comme si motion de censure et donc censure du gouvernement égale dissolution. Dissolution, c'est-à-dire la Constitution, elle permet au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale et donc de provoquer de nouvelles élections législatives. Et ça, ça a l'air d'être le cataclysme, surtout en plein milieu d'un mouvement social et avec tous les partis politiques qui ne sont pas préparés. Donc ça, les calculs politiciens faisaient qu'ils voulaient pas dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui, à la rigueur, on peut comprendre. Mais c'est pas du tout ça qui se passe dans une motion de censure. Ce qui se passe avec une motion de censure, c'est que le gouvernement tombe. Donc, tout de suite après, François Hollande doit nommer un nouveau gouvernement. Mais il peut très bien nommer un gouvernement dans sa majorité présidentielle. Il aurait simplement fallu qu'il tienne compte des frondeurs, et donc de tous ceux qui ne veulent pas de la loi travail, donc ils changent un peu le compromis, et boum, on aurait eu un nouveau gouvernement, je sais pas à quelle sauce, mais avec un peu plus d'épices frondeurs, et on n'aurait plus de loi travail, et nos salariés auraient, enfin, tous les salariés de ce pays auraient encore un droit du travail à peu près correct. Mais qu'est-ce qui s'est passé grâce au sens stratégique inouï de nos amis frondeurs? Bah, il s'est passé qu'ils sont couchés, qu'ils n'ont pas osé voter la motion de censure de droite. Alors pourquoi ? Peut-être par jeu d'étiquette, parce que forcément si c'est la droite alors j'y vais pas, mais alors à ce moment-là c'est médiocre, parce que le droit du travail et des évolutions aussi importantes de notre droit social, bah ça se juge pas à simplement « Ah c'est pas mon copain qui le propose », c'est médiocre, si c'est simplement par jeu d'étiquette, et moi j'y crois pas, en tout cas nous à Osons Causé on n'y croit pas, et l'autre explication c'est plutôt qu'ils ont préféré jouer prudent, rester en bon terme avec le Parti Socialiste et avec leur chef, pour être certains de garder encore leurs petits deals et leurs petites négociations et leurs petites manœuvres d'investiture aux législatives. Parce que, évidemment, derrière leur choix pas toujours courageux qu'on pointe dans notre vidéo quand ils étaient ministres, Hamon et Montebourg, derrière leur choix, bah, y a tous ces députés frondeurs qui veulent eux aussi conserver leur place. Et donc, du coup, on pense que leur attitude durant la motion de censure à l'occasion du 49.3 sur la loi travail, bah, montre qu'ils privilégient Hamon, Montebourg et leur soutien, bah, largement davantage leur parti politique, leur petite combine et leur place ou aux législatives ou dans les ministères futurs. Ils privilégient ça à la défense du droit du travail et du code du travail qui concerne des millions et des millions de salariés dans notre pays. C'est pour ça qu'on était assez sévère avec eux sur le cas de la motion de censure. Mais c'est très important de comprendre qu'on ne peut pas censurer un gouvernement qui est issu d'une majorité de gauche sans voter avec la droite. Donc c'est qu'ils voulaient pas le faire ou qu'ils sont bêtes. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur ce point-là. Autre point lié à la loi travail et que vous avez été beaucoup à noter, et nous ça nous fait plaisir de l'amener à notre tour, c'est que pendant la loi travail, il y a eu un socialiste qui était très courageux, qui était en tête de toutes les manifs, en tête de tout, sur tous les plateaux télé, et très ferme et véhément pour défendre les travailleurs et le droit du travail. C'est Gérard Filoche. Et ce brave Gérard Filoche, il voulait se présenter à cette primaire socialiste. Et la primaire socialiste, monsieur Cambadélis, le grand chef, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, bah non, toi dégage, t'as pas assez de parrainage socialiste, donc toi on veut pas de toi, par contre les trois bouffons là, Pinel, Benamias et De Rugy, personne sait qui c'est, même eux ils savaient pas qu'ils allaient être là-bas, hein, mais il se trouve qu'ils sont là-bas, et ces trois bouffons, bah non vous venez, c'est gratuit, vous avez des white cards, Macron si tu veux venir viens, c'est gratuit, toi c'est possible, Mélenchon viens, mais Filoche, toi s'il te plaît reste chez toi, parce que tu risques de faire du bruit sur les plateaux télé, et on préférait que tout soit bien calme pour que Manuel Valls il ait l'air bien propre. Et donc du coup on est content de faire ce point parce que pauvre monsieur Filoche et à la fois, mais ça peu importe, on s'en fout de monsieur Filoche, ce qui est important c'est que ça nous montre aussi quels actes ont été à l'origine de cette primaire des ministres, et en fait c'est des calculs politiciens avec à la manœuvre Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui a toujours essayé d'arranger les intérêts de François Hollande puis de Manuel Valls, c'est-à-dire de la tête de l'exécutif sortant, donc président et premier ministre. Et pour comment il les a arrangés, d'abord en resserrant le calendrier. Vous avez remarqué que la primaire de droite, elle a occupé l'espace médiatique pendant des semaines pour qu'on entende tous les points de leur programme et qu'on soit se marteler avec des propositions de droite. Mais la primaire socialiste, elle a que quelques semaines, genre 3-4 semaines de campagne. Elle est très courte. Pourquoi ? Pour que le président François Hollande puisse changer de casquette et devenir candidat. Il avait besoin que le timing soit très court. Et pareil pour Manuel Valls. Et donc du coup, avec ce timing court et cette exclusion des voix vraiment discordantes comme celle de Gérard Filoche, on voit que la manière dont ont été gérées ces primaires des ministres, c'est de la manœuvre politicienne en vue d'arranger un bilan. Et donc, encore une fois, ça donne un acte qui montre, et ça c'est notre avis uniquement à nous, on vous laisse juger, ça nous donne encore un acte qui montre que cette primaire, c'est un peu de la comédie, et de la comédie organisée pour rendre compliquées les tentatives de disruption, c'est-à-dire de s'écarter du bilan de François Hollande, parce que il n'y avait pas la place pour que Filoche se présente, et parce que ceux qui se présentent effectivement, Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, n'ont pas été si courageux ni très malins durant tout ce quinquennat. Donc voilà, on voulait livrer modestement notre avis, là on a essayé de répondre, d'approfondir, d'aller plus loin en poursuivant et en apportant de nouvelles informations. On espère que ce format vous a plu, on va l'appliquer à d'autres vidéos dès qu'il y a des questions qui reviennent fréquemment dans les commentaires et dès que ça vaut le coup d'y répondre. Alors on est très content d'avoir ce nouveau format pour pouvoir échanger plus librement avec vous, hein. C'est beaucoup plus cool à tourner, moi ça me fait plaisir de moins les avoir sur leur hable, donc je serais ravi d'avoir vos commentaires, vos avis, tout ça. Et puis n'oubliez pas un truc, ouais, c'est aussi l'occasion de préciser des trucs qu'on n'a pas toujours le temps de caser en 5 minutes dans des chroniques Mediapart ou dans d'autres vidéos. N'oubliez pas que pour être tenu au courant de toutes nos vidéos et de tous nos posts, il faut cliquer sur la cloche sur YouTube pour recevoir la notification dès qu'on sort une vidéo, et cliquer sur voir en haut ou quelque chose comme ça qui a sur le bouton j'aime déjà sur la page Facebook, afin de voir tous nos posts, parce que sinon avec les nouveaux algorithmes nos posts passent à la moulinette. Donc c'était un grand plaisir de vous voir sous ce format là, j'ai hâte d'avoir vos feedbacks, et nous on va continuer à taffer, bien nous préparer, parce que cette année présidentielle a l'air musclée et on a hâte de vous revoir. Ciao les copains, restez forts.